Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ma foi, magnifique. Voilà, c'est la reprise des modes sur PC. Et aujourd'hui, croyez-moi que tout est gratuit sur GTA. Voilà, tout est gratuit, rappelez-vous, quelques mois avant c'était tout à 1$. Et bien cette fois-ci, voilà, je sais pas, on s'est réveillé et tout est gratuit dans le jeu, donc c'est magnifique. Alors on va aller sur le site des voitures et comme vous pouvez le voir, bah c'est 0$, voilà, c'est gratuit, c'est 0$, tout est gratuit. Est-ce que les temps sont gratuits? Ouais, tout gratuit, gratuit, voilà, tout est gratuit actuellement, tout est gratuit sur le jeu, c'est magnifique. Et on va passer une journée où en fait tout est gratuit. Qu'est-ce que vous ferez vous sur GTA 5 dans les commentaires? Dites-moi le premier truc que vous achetez avec, bah c'est gratuit quoi, si le jeu est gratuit. Bon, en tout cas, on est parti passer une journée, eh bien, où tout est gratuit avec Franklin, let's go. Ok, c'est parti les gars, premier truc à faire quand tout est gratuit. Bon déjà, on va aller se faire une petite fraîcheur, hein. On va en profiter, vu que le coiffeur il est gratuit. Bon, on va aller faire un petit tour au coiffeur. Et ensuite, on va aller saper. Bon, déjà, on va aller faire un tour au coiffeur, parce que c'est vrai que là, il est pas ouf. Même niveau fringue, je sais pas ce qui... Ouais, arrête de crier. Là. Oh, bah qu'est-ce qu'elle a, elle? Ok. Ah oui, d'accord, en fait, quand tout est gratuit, les meufs viennent à toi tout seul. Moi, bon, elle a un peu peur, mais elle vient à moi. Ouais, c'est... Et on commence bien, bah c'est pas grave, le garage c'est gratuit, les réparations sont gratuites aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on est plutôt tranquille. Bon, on va aller au coiffeur, ensuite on va aller au magasin, bah forcément faut qu'on s'achète des fringues les gars, bah oui, hein, parce que là, une fois que t'as été au coiffeur, qu'est-ce que tu fais, dans la vraie vie, tu vas t'acheter une petite tenue, histoire d'être un peu frais, histoire d'être un petit peu beau gosse quoi, tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est parti les gars, on est juste à côté du magasin, hein. On va aller tranquillement au coiffeur. Alors, on lui met quelle coupe, les gars? On lui met quelle coupe? Bon, là, il est comme ça. Waouh, comme ça, c'est. Oh shit. Je pense qu'on va lui mettre une coupe un peu. Oh ouais. Oh, le petit trait comme ça, là. On va lui mettre. Non, on va lui mettre juste ça. Tu vois, on va lui mettre le petit trait. Histoire de être bien beau gosse. Hop, 0$. Voilà, hop, c'est gratuit quoi, c'est free to play quoi, c'est vraiment free to play. Ok, merci. Est-ce qu'on lui met une petite barbe ou pas? Ouais, avec la barbe ça fait mieux je pense. Hop, 0$. Allez, hop, la petite beubare. Et là il est frais. Et là les gars il est frais. Une fois qu'on a fait ça, hop, c'est bon. Je sais pas si tu risques de me voir maintenant, hein, vu qu'aujourd'hui c'est uniquement gratuit, donc je pense qu'on va aller... Eh bien écoutez, on va aller au magasin de vêtements, on va aller saper les gars, tout simplement. On va aller mettre un petit costard cravate, histoire de... Et ensuite, on ira dans des trucs un peu plus délirants. On va lâcher une petite voiture les gars. Hop les, bonsoir. Ah oui, forcément, hein. Nous on va que dans les magasins de luxe, hein. Là, tu vois ça, ici c'est un peu le quartier riche de GTA. Je pense que lui, il est magnifique, le gris comme ça là. Le perle aussi il est pas mal, mais le gris là il est bien. Hop, 0$, ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, merci madame. Est-ce qu'on lui prend des petites choses quand même? Ouais, parce que là les chaussures qu'il a, c'est un peu catastrophique. Ah ouais, piton les gars, chaussures piton. Magnifique. Regardez-moi ce que je lui ai mis les gars. C'est pas beau là? Eh franchement, il est pas BG là. Il est pas beau gosse les gars. Bon. Maintenant qu'on a fait tout ça, c'est vrai que là vous dites, mais attends, tu vas, c'est gratuit, tu te sapes juste. Regardez-moi ce beau gosse. Là, clairement, on est beau. Là, tu vois, on est un peu plus présentable pour aller acheter des voitures et c'est ce que nous allons faire en aller. On va aller au concessionnaire et on va aller acheter eh bien, une petite voiture. Let's go, c'est parti. Vamos, let's go. Ok, les gars, c'est parti. Let's go. Vamos a la playa, mimi guzal bailan. Alors, bon, ce que je prends, je pense, hein, quand c'est à 0$, on va aller au concess. Siméon nous attend. Bonsoir. Bonsoir. Ah ouais, parce que je l'ai appelé avant, je lui ai dit, écoute, sors-moi tes plus gros véhicules. Alors, on va se garer. On va voir ce qu'il a à nous proposer. Bon, déjà, ça, on peut limite l'acheter, hein, parce que maintenant, tu vois, c'est grave. Bon, on va aller se garer quand même un peu. Après, ils ont peur, eux. Bon, je vais me garer ici. Et de toute façon, dans tous les cas, je vais repartir avec un véhicule. Alors, bonsoir Simeon, comment vas-tu? Hello, hello. Hello. Salut, bah salut. Alors, qu'est-ce que tu as à vendre? Il a pas mal de trucs à vendre, écoute, tout est gratuit pour toi. Ok. Prends ce que tu veux. Bah écoutez, prends ce que tu veux, je sais pas exactement ce que je vais prendre. Alors, je pense que déjà je vais prendre les... Bon, je vais prendre un peu tout. Bah, vous savez quoi, je vais commencer par celle-ci. Ok, donc ça on prend. Hop, on achète. Voilà. Ça, on achète aussi. Ça, je suis pas très fan. Voilà, Veleno.
c'est incroyable. Magnifique aussi, ça j'achète. Et par contre, là. Ah ouais, bah, tu sais quoi, je vais même repartir avec celle-là. C'est la toute dernière Lamborghini, les gars, la 2022. Elle est incroyable. Elle est vraiment trop trop belle. Non, mais attendez, regardez-moi ce bijou. Oh là là là. En plus, elle est blanche. Enfin, les jantes sont noires. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et elle est surtout jaune et noire. Et le. Enfin, je kiffe. Je kiffe à mort. Écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus, hein. Bon, déjà, celle-là, hop, je la prends. Hop, on se remet en normal, les gars. Voilà. Hop, et c'est parti, c'est gratuit, c'est du 0$. Pardon, elle a pas de bruit. Oh, c'est bizarre. Elle fait pas de bruit, c'est trop chou. Oh, par contre, elle est magnifique. Mais écoutez, on va se promener avec ça, les gars, c'est plutôt pas mal. Maintenant que j'ai un peu tout acheté, j'ai envie de dire en termes de véhicule, j'en ai pas mal qui vont être livrés à la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'autre? On pourrait acheter. Oh les gars, 0$, je vais en profiter pour acheter un yacht. Bah ouais, parce que la journée passe vite, hein, les gars. Bon, je pense que je vais me prendre un yacht, non? C'est plutôt pas mal ça, un yacht. Ok les gars, regardez ce que je viens d'acheter. Et puis regardez, non mais regardez là, vous êtes pas prêts du tout. Je viens d'acheter un truc de malade. Voilà, je vous le dis, j'ai acheté un truc de fou. Regardez-moi ça, c'est gratuit, c'est magnifique et c'est à moi vie. Hein. Regardez-moi ça, attention. Pouh! Oh my god. Oh my god, non mais regardez-moi ce qu'il y a garé tout au fond là-bas. Bon, on va pas j'allais sauter, mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas sauter. Mais j'ai acheté un yacht, les gars, magnifique. Oh my god. Alors, c'est pas le yacht de GTA, hein. C'est vraiment pas le yacht de GTA. Clairement pas. Magnifique, regardez-moi cette bête. Oh, attends, je peux passer là? Ouais, c'est bon, ça passe. Alors, on a un petit salon, ok, pourquoi pas, why not? Le petit salon qui passe bien. On a quoi d'autre? On a un autre petit salon, bon, un peu plus intérieur, avec c'est quoi qui est dessiné là? Ouais, ok, c'est une carpe, je crois. Pourquoi pas? Ok, donc voilà ce qu'il y a à l'étage là. Ah non, c'est pas fini. Waouh, ah oui. Ah oui. Oh, la petite salle. Ah ouais, c'est trop. Salle de bain, les gars, carrément. Dans le yacht. Avec les petites toilettes. Qui sont plutôt sympathiques d'ailleurs. Ok. C'est pas mal. Pourquoi? Par contre, la douche, elle est abusée. Les douches comme ça, je kiffe. De toute façon, c'est ce que j'ai fait chez moi IRL. Je me suis mis une baignoire et une douche à l'italienne. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, petite cuisine. Why not? La petite cuisine pour cuisiner. Ou t'es dans la mer, t'as envie de cuisiner. Tu cuisines au calme. De toute façon, tout est gratuit, les gars. Là, ça, je l'ai payé 0$. Alors, on a des trucs encore là-bas. Chambre avec des baies vitrées. Wow, magnifique. Et le lit est confortable, j'imagine. Ouais, très confortable ce petit lit. On a bah, le petit dressing au calme. Par contre, les baies vitrées, j'aime bien. Tu vois, tu vois vraiment tout. Attends, on va aller monter en haut, voir ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a en... Alors, on a encore un petit salon. Bon, où forcément, le yacht est énorme. Hein, donc, il y a beaucoup de salons. Petit bar. Oh shit! Table de billard, les gars, what the fuck? Une table de bibi. Une table de billard. Ouais, et on a bah, pour le pilote, hein, forcément celui qui conduira la bête. Alors, il me semble qu'on peut le conduire, les gars. Mais bon, j'ai pas le permis de bateau, mais bon, on s'en fout. De toute façon, tout est gratuit. Si je me prends une amende, hein, genre c'est gratuit. Hein. On va monter en haut pour voir un peu ce que ça donne en haut. Oh, pas mal en haut. On a un bar là. Ok. Et on a également. Devant un petit truc, ok, plutôt pas mal aussi. Et ici on a des petits transats, un énorme transat canapé, je kiffe ça, pense c'est stylé le petit transat. Et petite piscine jacuzzi, plutôt pas mal aussi. On a encore un petit bar en haut, enfin encore un petit bar en haut, encore des transats. C'est pas mal. Bon forcément là vous dites Unwin, t'as une aussi belle bête. Mais vas-y conduis-moi ça. Et bah vous savez quoi les gars, c'est parti, on s'en fout, on n'est pas pilote de trucs, mais on va conduire. Waouh. Oh shit! Bon, par contre, ok. Ah, mais le truc tourne pas. Ah, ouais, en fait, c'est vraiment dur à manier. Je sais pas comment ils font les pilotes de. Ah, les commandants de bord, je sais pas comment ils font. Ok. Tourne doucement. Voilà. J'ai réussi un tout petit peu de tourner à me sortir de là. C'est magnifique! Regardez-moi ce que je viens d'acheter sur GTA, les gars. Un magnifique yacht qui est tout simplement ultra beau. Bon, il roule plutôt vite.
Et forcément, hein, je veux dire, les gars, mais c'est un bâtiment le truc en fait. Regardez par rapport à par rapport aux maisons, le truc est énormissime quoi. Je veux dire, là, on a pas rigolé quoi. Je veux dire, le mec, il est là, il est chaud. On croit qu'il y a un bateau devant nous. Oh, écoutez le klaxon. Eh, dégage-moi de là, là. Ok, sinon, si tu veux pas que je t'écrase, dégage. C'est magnifique. Waouh. C'est trop, les gars. C'est vraiment, vraiment trop. Par contre, pour tourner, c'est un peu galère. C'est vraiment, vraiment galère quand tu tournes. Voilà. Là, les gars, je suis posé. Ouah, il y a un gars qui vient de me foncer dessus en bas, les gars. Hein? What the fuck? Ok, là, on est posé. On est plutôt pas mal, les gars. Hop, les voilà. On va aller escalader tranquillement en haut, les gars. C'est magnifique. Je kiffe, voilà. Je kiffe mon yacht. Bah, j'ai acheté une Lambo, j'ai acheté un yacht, bah, plusieurs Lambos d'ailleurs. Bon, après, je sais pas trop ce que je peux acheter de plus. Bah, après, des avions, tout ça, bon, ça c'est classique. On va aller acheter ça aussi également. Bah, écoutez, je vais me poser dans mon petit jacuzzi, hop, et je vais dormir là tranquillement. Oh, c'est pas mal ça. Il faut que je mette en petite tenue parce que là, c'est un peu, ça craint un peu. Bah, écoutez, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller commander des avions pour notre petit aérodrome et puis on va aller voir ce que ça donne. Bon, ok, les gars. J'imagine que vous voulez voir ce que j'ai acheté comme avion. Je me suis fait une commande de malade mental. De toute façon, c'est 0$. C'est parti. Regardez-moi ça. Let's go. Vamos. Oh my god. Regardez ce que j'ai commandé. Regardez-moi ce que j'ai commandé, les gars. Oh my god. Alors, j'ai pris un petit avion. J'ai pris. Oh, j'ai vraiment des trucs en fait. What the fuck, je m'attendais pas autant d'avions. J'ai fait une commande, hein. Vous voyez un peu comme quand je commande au drive sur les sites, j'ai pris un avion de chasse, hein, vous pouvez le voir, des petits avions un peu militaires, ce que j'ai pris d'autre, les gars, j'ai pris l'avion là, je kiffais l'avion là, j'ai toujours kiffé cet avion sur GTA. J'ai pris deux avions en or, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Je dirais, bah, c'est gratuit, hein, autant se faire plaisir, hein. Deux avions en or, j'ai pris ce énorme avion, j'ai pris un jet privé, voilà, j'ai déjà des jets privés en or, mais celui-là j'aimais bien, tu vois, le petit jet privé un peu orangé comme ça, blanc, c'est pas mal. Le petit avion là aussi également, qui est plutôt bien, j'aime bien. D'ailleurs, on va le prendre pour vous montrer ce que ça donne vu de haut. Allez, c'est parti! Let's go! Balance! Allez, regardez-moi ce que j'ai acheté! C'est parti, c'est parti! Waouh, tous mes avions, les gars, ils sont là! Regardez-moi, tous mes avions sont ici! On va faire demi-tour pour voir un peu plus. Magnifique, voilà, j'ai acheté tout ça. Clairement. Il y a même des UML là où je ne sais pas montrer les UML là derrière. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, les gars. Je pense que en tant que joueur où le jeu est gratuit, je pense que j'achèterai tout ça. Bon, après, maison, tout ça, c'est classique, ça en achète. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche et mettez-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos mode. Sur ce, on se laisse là-dessus. Ciao.